moi. Vous l'avez vu, on est dans la Bugatti Chiron Pure Sport. Pierre-Henri Raphaël au volant, pilote essayeur Bugatti, qui va nous montrer la voiture, etc. Mais avant, on va faire chauffer un petit peu les pneus, le moteur, etc. Avant de faire un vrai round d'accélération et avant que je la conduise. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est fou ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est fou. Même si c'est une Bugatti plus dynamique de 0 à 350. On va croiser la courbe de puissance avec la courbe de couple, donc ça veut dire que chaque changement de rapport, ça va être explosif. Et on a adapté cette vitesse de 350 km/h pour pouvoir avoir la meilleure dynamique. Ouais, la VMAX est descendue à 350 au lieu de 420, ce qui permettait pas. La boîte et l'aéro peut-être. C'est la boîte, l'aéro, et surtout c'était une volonté, c'est-à-dire que pour faire des voitures qui dépassent les 400 km/h, tu peux pas avoir de carrossage, parce que sinon tes pneus explosent. D'accord. Donc du coup, toutes les Bugatti qu'on avait, c'était très peu de carrossage, donc c'est fait pour de la haute vitesse. Du seul coup, on a considéré que 350 km/h, c'était suffisant comme vitesse sur la route. Et du coup, on a pu mettre le carrossage maximum que tu peux avoir pour 350 km/h. Du coup, là, on a des carrossages de course, carrément de voitures de course. 2,5 degrés, je crois. On a changé, bien entendu, la qualité des pneus. Donc maintenant, on a des Michelin Sport Cup 2R, donc c'est la version course, ouais. Enfin circuit de cette dynamique là. Et après, bien entendu, il faut changer tout ce qui va avec, la dureté des ressorts, des amortisseurs, de toutes les joints, mais de manière très significative. Donc c'est des valeurs qui vont de 60 à 130%, quoi. Donc c'est pas 5%, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus radical. C'est la première fois que Bugatti fait vraiment une voiture pour le circuit, en tout cas pour les virages. Voilà, pour les virages, c'est-à-dire c'est le tout, c'était de se dire comment on peut rendre une dynamique encore plus forte, même si la dynamique d'une Chiron et d'une Chiron Sport, c'est déjà colossal, et pour pouvoir toucher 100% de cette dynamique là, c'est quasiment impossible pour le commun des mortels sur la route. On a voulu donner quelque chose qui donne encore plus cette sensation. Il y a plus de retour dans le volant, c'est une direction qui est plus précise, un avant qui est plus précis, une voiture qui est plus nerveuse, un aileron qui est fixe. Mm-hmm. Et dans la dynamique, j'ai quelque chose qui est plus performant qu'une Chiron, une Chiron Sport. Est-ce que j'ai besoin de ça sur la route? Non. Pourquoi? Parce que 100% d'une Chiron Sport, c'est déjà colossal. Est-ce que j'ai besoin d'avoir 110% ou 115%? Non. Mais je vais faire ça avec plus de facilité, plus de retour d'information. Elle va transmettre plus de choses. Il y a plus de retours. Là-bas, c'est plus filtré. Là-bas, c'est la belle et la bête. Moi, je dis toujours, c'est la belle et la bête. Ça, c'est la bête et la belle. Donc, on a toujours ces parallèles. Quand dans la base, tu dis, je vais faire quelque chose de plus sportif qu'une Chiron, une Chiron Sport, ou que je vais faire... La base est déjà... C'est déjà, assez c'est déjà surperformant. Pour... Tu es en 5e à 2000 tours. Si tu es en 5e à 2000 tours et que tu accélères, c'est un avion de chasse. C'est le cas de le dire. Ce qu'on va faire là, ça fait 10 000 fois que je le fais. Donc, mais justement, ma question, ça fait 10 000 fois que tu le fais. Est-ce que ça te fait toujours quelque chose de faire un départ arrêté en Chiron? Oui, c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. C'est-à-dire le premier jour où j'ai mis mes fesses dans une Bugatti, c'était une Veyron à l'époque, j'ai pas compris ce qui se passait parce que je me suis dit c'est pas possible qu'il y ait une voiture qui soit aussi, aussi performante, aussi facile, aussi confortable, aussi qui fasse tous ces domaines-là. Et au quotidien, quand je dis j'ai fait 10 000 essais dans 23 pays, c'est vraiment 10 000? Oui, c'est 10 000 essais. Ouais. C'est pas un chiffre que j'annonce. C'est pas une blague. C'est plus de 10 000 essais, donc ça veut dire que ça fait beaucoup d'essais. Mais... Là, on va partir. Donc, on est dans la Chiron Pure Sport, comme Pierre-Henri nous l'a expliqué. C'est la version, on va dire simplement hardcore de la Chiron Sport. Boîte raccourcie, 15% environ, ressort beaucoup plus ferme. Aéro féroce, on perd en vitesse de pointe 350 km/h au lieu de 420, mais les accélérations sont apparemment beaucoup plus féroces. J'ai lu que de 50 ou de 60 à 120 en 6e, elle est 2 secondes plus rapide que la Chiron Sport. 2 secondes en termes automobiles, c'est une année. Hein. Les chiffres parlent peu, mais quand on voit les Chiron Sport, ça fait 0 à 100, ça fait 2 secondes 4. On se dit ça fait 2 secondes 3. Ouais. On se dit, il n'y a pas grand chose d'écart. Ça se sent. C'est-à-dire que ce 1 dixième qui paraît pour les gens, c'est rien. Physiquement, c'est quelque chose. Et après, de 0 à 200, c'est 6 dixièmes. Donc là, on a la légende du ciel.
enfin la Bugatti, les légendes du ciel, que on a vu dans la vidéo avec le Rafale, enfin tout ça c'est incroyable. Et ce que j'aime bien, c'est que là on a le Skyview qui, comme un pilote d'avion de chasse, permet de regarder un peu les repères un petit peu partout. Et j'ai hâte en fait de ressentir cette accélération, parce que l'accélération, ayant conduit pas mal de supercars aujourd'hui, on peut en devenir un peu blasé. Mais là on est dans quelque chose de tellement fou que c'est pour ça que je te demandais, est-ce que t'en es pas blasé? Mais donc bon, on va voir ce que ça donne. On fait juste un petit départ, mais après on en mettra plus, on va juste chauffer un petit peu tout ça. Tu vas démarrer, tu vas comprendre une chose, c'est que la délivrance de la puissance, c'est pas 1500 chevaux, rien. C'est très docile. Si on veut 10 chevaux, on met 10 chevaux. Je vais mettre un indicateur sur le tableau de bord, il va te donner quoi? À gauche, il va te donner les tours moteurs, à droite, il va te donner la puissance. Donc pour l'instant, tu utilises 5 chevaux, 6 chevaux. Donc ça veut dire qu'il nous en reste 1498 de plus pour avoir notre décharge d'adrénaline. Donc là, qu'est-ce qu'on sent? Premièrement, c'est que la puissance, elle fait ça. La direction, elle est ni lourde ni légère, elle va devenir beaucoup plus lourde, un peu plus lourde quand tu vas aller plus vite, mais c'est super directif. Et les freins, quand tu vas freiner, si tu touches la pédale maintenant, quand tu freines, c'est très linéaire. C'est-à-dire que on n'a pas, ça mord pas, mais c'est plus on en met, plus ça s'arrête. Quand tu es là, tu peux prendre les palettes maintenant, tu as des palettes moins plus. Donc tu prends des palettes, tu regardes ton vitesse, si tu es en 3e ou 4e. 5e, voilà, 5e et 4e par exemple. Voilà, accélère. Voilà, accélère, 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 accélère. Change la main bas. Voilà. On freine. Ça marche, hein? Ça marche plutôt pas mal.
quand on tourne, ça tourne. Quand on va accélérer, elle a une bonne consistance, la direction. Voilà, elle est pas trop légère. Ce qui est plus difficile, c'est de faire une direction qui soit électrique et qui donne la sensation d'être une direction hydraulique. Sur l'Aveyron, c'était hydraulique. C'était hydraulique. Personne ne s'est jamais plaint de la direction d'une Veyron, tellement c'était agréable. Mais là, on est dans une autre dimension parce que. Direction électronique, c'est on arrive à faire ça, c'est-à-dire que c'est des directions qui vont. Sur une Chiron, c'est un peu plus lourd. Et au fur et à mesure des messages qu'ils font quand ils passent Chiron, Chiron Sport, Pure Sport, c'est qu'on va alléger la direction. Ça a deux incidences, c'est que c'est plus réactif. Deuxième chose, c'est que plus c'est léger, entre guillemets, jusqu'à un certain niveau, plus tu vas avoir la sensation que la voiture est plus légère. Elle n'est pas forcément plus légère, là elle est plus légère, mais si on fait juste un changement de... Mais il faut que quand on soit en appui dans les virages, il faut qu'on ait du poids qui revienne dans les avant-bras. Et là, c'est une bonne direction. Pour ceux qui nous regardent, je vous rappelle la fiche technique, on a quand même un W16, donc 16 cylindres, 4 turbos, 1500 chevaux, 1600 Nm de couple, de 2000 à 6000 tours minute. Donc de 2000 à 6000 tours minute, c'est l'avion de chasse. Et sur la Pure Sport, on a des rapports de boîte qui ont été raccourcis de 15% environ, ce qui fait que ça accélère beaucoup plus fort. On s'arrête juste pour avoir la validation. La validation du commandant. Parce que ce serait bête de se faire écraser par un Rafale. Ouais, ça serait. On est dans un bébé qui vaut 4 millions d'euros. Ouais, le Rafale, là, j'ai demandé millions. Tout à l'heure, on est à 60 à peu près. On va éviter la facture d'aujourd'hui. Ouais. On se met en position, tu repères voilà, bon, cette troisième bande. Quand tu es prêt, tu t'arrêtes. Là, on peut s'arrêter. Je suis prêt. Voilà, tu es prêt. Tu vas te mettre en première. Là, je suis en première. Voilà, et bon, quand. Ça passe tout seul, il n'y a pas ça de. Ça passe tout seul. Pas quand tu es en premier, il n'y a rien du tout, tu es en première d'ici. Okay. Quand tu mets pied dedans, et puis jusqu'au bout, tu profites du voyage. Je mets pied dedans? Tu mets pied dedans quand tu es prêt. C'est parti. Moi, je suis là juste pour te dire quand il faut freiner. Allez. Et puis, d'un autre côté, personnellement, Bugatti, c'est quelque chose qui me fait rêver depuis tout petit. Aujourd'hui, je me suis assis pour la première fois dans une Bugatti. On a pris combien? On a pris plus de 300. On est allé presque au maximum, on a freiné juste un petit peu, mais elle va... Ça me fait quelque chose et même personnellement, c'est... C'est fou. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est le, y a quoi, le déposite, 500 000 euros. Et puis, puis l'acheter, ça sera le prochain. Bon, bah, abonnez-vous alors, il me faut de l'argent pour ma banque, je te recontacte dans pas longtemps. Il faut se dépêcher parce qu'il ne reste plus beaucoup de voitures avant. On a combien d'exemplaires de Pure Sport 40 Là maintenant, il reste, on va dire, grosso modo, un peu moins de 100 voitures, 80 voitures avant. Là, un peu à Pure Sport, il reste 40 voitures. Il y en a 40. Il y en a 60 et 20. Là, on a vendu 20 voitures déjà comme ça. Là, c'est cool. en quatrième. Je suis en 4 là. 2000 tours, accélère. Accélère. On est en quatrième. 2000 tours. Ça se lance. C'est un avion de chasse. Et en fait, voilà ce que disait Pierre-Henri, c'est que les turbos s'activent séquentiellement quand il y a besoin de toute la puissance. D'abord, on a deux turbos et ensuite les quatre. C'est pas des turbos à géométrie variable ou des turbos différents, les quatre ce sont les mêmes. Mais d'abord on en a deux, ce qui permet d'envoyer plus d'air à deux turbos. Et ensuite il y a des petites pales qui s'ouvrent et l'air va aux quatre turbos et là c'est ciao. Mais là, le référence que tu as, il faut penser qu'on est sur une piste qui fait 45 mètres de large. Donc imaginez qu'on puisse faire ça sur des routes qui font 12 mètres de large, ça donne la dimension de l'émotion qu'on peut avoir. Et ce dont les gens ne se doutent pas, c'est que quand on voit l'intérieur qui est hyper épuré, hyper sobre et d'une beauté, mais l'intérieur est plus beau que les plus belles suites des plus beaux hôtels du monde, c'est qu'il y a quand même la prise USB, il y a quand même le GPS, il y a quand même la caméra de recul, il y a tout ce que tu as dans une voiture normale, mais c'est caché sous la beauté de l'habitacle. Et ça, c'est somptueux.
tous les petits boutons ici, quand tu appuies dessus, enfin, la sensation mécanique de chaque petit bouton, il y a une petite pièce en cuir sur une pièce d'aluminium taillée dans la masse, les poignées de porte, les boutons. Même le bouton de remise à zéro du kilométrage que Pierre-Henri me montrait. C'est usiné, poli. C'est comme l'intérieur d'une belle montre, mais là on est dans une voiture en fait. C'est incroyable. Il y a plein de messages subliminaux. Quand on regarde ces Komodo, ils sont magnifiques. Il y en a 1, 2, 3, 4. Mais pourquoi il y en a 4? Pourquoi il n'y en a pas 3? Ou pourquoi il n'y en a pas 5? Pour les 4 jumbos. Exactement. Quand on regarde les phares d'une voiture de notre Chiron, c'est 4 lumières de chaque côté. Donc 4, 4 roues motrices, 4 turbos. Moteur de 8 litres, moteur 16 cylindres, 400 km/h et 4 millions d'euros. Ouais, c'est tout rond comme ça. Voilà. On n'a pas de doute sur le. Et je pense par rapport à un Rafale, on doit être. Le Rafale, il doit être 4 fois plus rapide que nous. Donc le rapprochement, il est encore là. L'excellence française. Tu peux rentrer sur Paris avec. Allez, salut. File la carte essence avec. Oh là 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 là. Super, donc pour s'arrêter ensuite c'est tout simple, on appuie là-dessus IP, donc c'est un doigt dans la boîte, et après on appuie sur Engine, et tu... J'ai le droit de mettre un petit coup de gaz. Oui, tu peux mettre, ça va se limiter à 4 motos. On sent le... C'est la bête, la c'est un on fait pas du bruit, c'est des vibrations, c'est une sensation de puissance. Ouais. C'est des fréquences très basses, mais qui impressionnent sans déranger. Magnifique. Il y a un moment, il faut s'arrêter quand même. Merci beaucoup. Ah, c'était avec plaisir. C'était un teaser, mais je pense qu'il était déjà dynamique. Les amis, c'est la fin de cette vidéo exceptionnelle. Ma première expérience, j'en perds les mots, avec Bugatti, avec une Chiron. C'est une pure sport, la plus extrême de toutes. J'ai la voix qui tremble d'émotion tellement c'était incroyable. Merci Bugatti, merci à l'armée, à la base d'aéronavale de Landivisio quand même, qui nous a accueillis ici. Voilà, c'était incroyable. Et je tenais à vous remercier particulièrement vous, parce que si je suis là aujourd'hui, indirectement, c'est grâce à vous. Donc merci, abonnez-vous, pouce bleu, et comme ça on va vous faire plus de dingueries. Après ça, je sais pas trop ce qu'on va faire. La barre a été placée assez haute. J'espère que ça vous a plu, merci de votre fidélité, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.